الصوم في رمضان هو رابع الأركان، الصوم في رمضان هو رابع الأركان، كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سبحان الله وبحمده. Lorsque le mois de Ramadan approche, le prophète il dit: جاءكم المطهر. Voici le purificateur qui arrive parmi vous. Alors, je pense qu'il est très important que les musulmans puissent prendre le ramadan comme un moyen de purification. La purification du cœur, purification de nos intentions. D'ailleurs, le jeûne, il est très lié avec la piété, la taqwa. Lorsqu'on parle de la piété, on parle de l'intérieur, on parle de l'intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a prescrit le jeûne, il a dit: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dieu vous a prescrit le jeûne, peut-être ce jeûne va vous aider à acquérir la piété et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, avant l'islam, les gens jeûnaient comment? En ne parlant pas. Ils faisaient le vœu de ne pas parler aux gens. Et c'est pour ça que certains commentateurs du Coran ont dit, donc le siyam, c'est le jeûne tel qu'on le connaît nous, et saum, c'est le fait de jeûner comme les gens jeûnaient avant, c'est-à-dire en ne parlant pas, etc. Nous, aujourd'hui, on ne peut plus jeûner comme ça, les musulmans. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux niveaux de jeûne. Il y a un jeûne qui considère que tu dois t'arrêter de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels. Mais ce jeûne-là, il n'est que là pour t'amener à un autre niveau, qui est le niveau du saum. Et le niveau du saum, c'est quoi? C'est se tourner entièrement vers Allah. À travers les recherches scientifiques, on a montré que le jeûne permet justement d'assainir le cœur. Certaines recherches montrent que le jeûne d'une seule journée permet de purifier les toxines qui se sont accumulées pendant 10 jours. Et quelque part, lorsqu'on voit qu'on jeûne entre 29 et 30 jours, c'est comme si on purifie les toxines de toute l'année. Nous savons au jour d'aujourd'hui que la question de l'alimentation représente la cause principale de plusieurs maladies qui se sont multipliées ces derniers temps et qui sévissent en Occident et ailleurs. Et c'est pour cela que le jeûne doit occuper une place de plus en plus importante dans notre vie pour justement remédier à tous les problèmes qui sont causés par la mauvaise alimentation qui est la nôtre aujourd'hui. On dit souvent que pour quelqu'un qui a perdu à peu près entre 5 et 8 kilos pendant le ramadan, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a observé un bon jeûne au niveau nutritionnel, bien entendu. Vous savez que cette année, le jeûne, il va commencer, inchallah, du mois de juin, mi-juin, jusqu'à mi-juillet. Et vous savez très bien aussi que la durée du jeûne, elle va de 12 heures jusqu'à 14 heures.
Là, je conseille à ces patients qui sont atteints de maladies donc chroniques, incurables et sévères, bien sûr, de prendre l'avis de leur médecin avant d'entreprendre la décision de jeûner, parce qu'ils se mettent tout simplement aussi en danger. L'idée, c'est justement de s'épanouir et de se recharger auprès de Dieu pour ensuite donner aux autres. C'est un mois où on est proche de ses voisins, on est proche de ses collègues, on est proche de ses camarades de classe, on est proche des gens dans la rue, des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on va être à l'aide de n'importe qui. Un verset qui illustre non seulement le bon comportement, mais quelque chose de magnifique, qui est la dualité entre la spiritualité et l'éthique. Du fait que Dieu nous demande à la fois de purifier notre intérieur et d'être proche de lui, mais aussi d'être bon dans notre comportement et dans notre manière d'être avec les autres. Et des versets qui parlent de ça sont des versets de Sourate Al-Furqan, où Allah nous décrit un type de serviteurs qui sont les serviteurs du miséricordieux. C'est lui qui les appelle ainsi, et c'est un degré assez élevé de personnes proches de Dieu. Et il dit dans le début: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Il les décrit comme des personnes qui marchent parmi nous, qui marchent sur terre comme nous, de manière humble, avec modestie, avec humilité. Justement, des gens qui ne se prennent pas la tête, qui ne pensent pas être au-dessus des autres. Et quand on est humble et qu'on ne pense pas être au-dessus des autres, on est tout de suite à l'écoute des autres. Et Dieu, dans ce verset, va même plus loin. Il dit وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Il dit que même avec les personnes qui, entre guillemets, seraient ignorantes, même des personnes qui seraient inconscientes, même des personnes qui seraient complètement en divergence avec nous, eh bien ces serviteurs du miséricordieux leur répondent paix. Et le verset qui vient juste après, Dieu dit وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, debout et aussi en prosternation pour leur Dieu. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont trouvé l'équilibre total entre cette relation avec Dieu pendant la nuit, où je me ressource, où je suis proche de mon Seigneur, où je prie pour lui, où je me prosterne devant lui parce qu'il est mon Créateur, qu'il est le plus haut, le majestueux. Et cette relation avec Dieu, l'impact qu'elle a sur mon cœur, c'est justement de me faire sentir que, eh bien, toutes les créatures de Dieu sont gentilles, sont bonnes et méritent que je sois à leur service, méritent que je sois à leur écoute, méritent que j'essaie de les aider, méritent que je parle avec eux, que je les aide. Et ne pas oublier que cette relation horizontale que nous avons avec nos proches, donc avec notre femme, avec les maris, avec la famille, les parents, les frères, les sœurs, les enfants, c'est une relation qui doit nous permettre de nous améliorer et de nous parfaire. Mais elle n'est utile qu'à partir du moment où on prend en considération que cette relation n'a d'utilité que de parfaire la relation qu'on a de manière verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne remercie pas Dieu celui qui ne remercie pas les gens. Et les gens sont en priorité la famille. Et comme il le dit dans un verset, « Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara » Ô vous qui portez la foi, les porteurs de foi, préservez-vous et vos proches des feux de l'enfer. Donc la priorité est de vous préserver vous. Donc profitez de ce mois-là pour vous retrouver intimement avec Dieu et profitez de ce mois-là pour vous retrouver de manière familiale avec les vôtres. Donc profitez-en, profitez de ce ramadan, accueillez-le comme il se doit et essayez d'être le meilleur possible pour que ce mois-là vous serve et vous soit utile pour le reste de l'année. Inch'Allah ta'ala. Donc on va essayer, bidnillah, d'offrir plus de repas à plus de personnes et en même temps élargir et ouvrir aux gens qui sont démunis, à ouvrir aux familles des convertis aussi. On essaye vraiment de toucher un maximum de personnes et le restaurant La Table Servie ouvre ses portes pendant tout le mois. Et tous les soirs, ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés peuvent venir profiter d'un moment convivial
et profiter des plats que, leur chef, que nos chefs feront avec amour et fraternité. Les préparations de Ramadan prennent énormément de temps parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'apporter de l'aide, mais il s'agit de faire des projets qui, on l'espère, ont un impact pour des années et des années et des années à venir, comme le projet de Cédavi qui a eu un impact jusqu'à aujourd'hui. Il y a des valeurs sur lesquelles on tourne et les valeurs pour nous qui sont essentielles et primordiales de réunir les cœurs et faire en sorte que ces cœurs soient soudés de manière à avancer ensemble, parler ensemble, s'intéresser ensemble, d'être des acteurs et pas des spectateurs. Ramadan, on le passe avec les nécessiteux. Donc c'est clair que ça nous ressource spirituellement parlant. On n'a pas d'horaire. En moyenne, nos horaires, ça dépend. Mais il y en a certains, on fait des nuits blanches. Samedi, dimanche, on est des urgentistes. Alhamdoulilah, le principal, il faut qu'on ait un objectif, toujours qui reste dans notre cadre, qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié, qu'on soit dans l'humanitaire ou qu'on ne soit pas dans l'humanitaire, c'est un objectif qui doit rester islamique et wallah al-adim que ça rentre toujours la joie dans le cœur des croyants. Il y a une chose que je voudrais dire, quoi qu'il en soit, rien, ni personne, ni le soleil ne pourra nous arrêter, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, ce que je suis en train de dire, c'est avec la sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il testera cette parole avec les épreuves. Qu'Allah nous en préserve, mais on espère qu'Allah nous en préserve. Mais si l'épreuve, elle viendra à nous, bi-ibnillahi azza wa jal, on sera des gens fermes. Comme les Palestiniens, ils nous disaient quand j'étais à Gaza, Anta turid, wa huwa yurid, wallahu yafa'al man yasha. Toi, tu veux, lui, il veut, mais Allah, lui, il fait ce qu'il veut. Effectivement, le mois du Ramadan, c'est un tremplin. Le mois du Ramadan, si tu veux, c'est comme si nous, en fait, on était des avions, on a besoin de kérosène. On met le plein pendant le mois. Si on met le plein, on peut voler, hein, planer dans la foi pendant une année jusqu'au Ramadan d'après. Mais si on ne met pas le plein, ben, 2 mois, on plane et après, hop, c'est la cassure. Et on voit des gens, même qui après le Ramadan, alors qu'ils s'étaient bien accrochés, ben, 2 mois après, ils se retrouvent dans des soirées, pub, danse, etc., etc., fornication et des choses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas acceptées dans notre religion. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de mettre le plein pendant le mois de Ramadan. De mettre le plein, de se ressourcer à fond et toutes les conditions sont réunies pour que la personne s'améliore spirituellement. On ne dort pas la journée, on ne fait pas la sieste. On reste pour supporter la faim et la soif, on reste toute la journée à dormir et puis ensuite on se lève la nuit pour manger et puis non, le mois du Ramadan c'est le mois de l'effort, c'est pas le mois où la productivité baisse parce que les gens ne travaillent pas pendant le Ramadan, non, c'est le mois où la production, la productivité, les idées augmentent parce qu'elles augmentent en intensité, elles augmentent en qualité. Ils augmentent en attention. Le Ramadan doit se traduire par un changement. On doit non pas interpeller en conscience, mais inconsciemment interpeller parce qu'il y a un changement qui se voit en nous. Donc faire peu, mais bien. Faire pas quantitativement, mais qualitativement. Mon frère, ma soeur, dis-toi que ce Ramadan-là, c'est une chance pour toi comme pour moi. Peut-être que tu n'auras pas l'année prochaine. Peut-être que tu pourras peut-être même pas le finir le mois de Ramadan. Wallah. Mon petit-neveu, il avait 14 ans. Il est parti il y a 2-3 ans à la boulangerie pour acheter un pain au chocolat. Il est sorti, il a fait un arrêt cardiaque. Les pompiers sont venus, c'était trop tard. 14 ans, il est mort. Donc, à mon petit frère, Ramadan, c'est Shahrul Ibadah, c'est le mois de l'adoration. Comment éviter ça? Ne fréquente pas n'importe qui au mois de Ramadan. Comme après Ramadan aussi, ne fréquente pas n'importe qui. Mais au mois de Ramadan, c'est sélectif, tu dois sélectionner. Ar-rajulu ala dini khalilih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'homme, l'individu, il est sur la religion de son meilleur ami, de son meilleur ami. Donc, le meilleur ami intime que tu prends au mois de Ramadan, c'est celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui fait les tarawih, qui écoute le Coran, qui te rappelle Allah Azza wa Jalla et son prophète alayhi salatu wa salam, et non pas celui qui fait de la moto, celui qui fait le chicha, celui qui regarde la télé, celui qui fait les matchs, mais plutôt celui qui a le dernier tiers de la nuit, il pleure à Allah Azza wa Jalla pour qu'Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait. Mais quand on partage un repas avec sa mère, son père, sa famille, c'est des instants qui te marquent à vie. Et vous savez, au risque de vous étonner, moi, pour avoir grandi aux Comores, j'ai gardé en moi des odeurs qui m'habitent et dont je rêve, qui ont habité mon enfance et dont je me souviens.
et qui, quand le mois de Ramadan vient, me reviennent, parce que je suis ici. Et je vous avouerai que je ne ressens pas vraiment la même chose, mais c'est un mois où tout te parle. Et du coup, il y a beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête et je me retrouve parfois en train de pleurer parce que je ne suis pas dans là où j'ai grandi. Donc il y a des souvenirs d'enfance, ça ne veut pas dire que je ne me sens pas bien ici, mais je suis habité par beaucoup de nostalgie et ça me rappelle beaucoup de choses personnelles. Et comme il y a des chants religieux qui me viennent en tête, qui ne passaient que pendant le mois de Ramadan. Ramadan, شهر البر والحسنات, شهر التقى والفضل والصدقات. Ramadan, شهر البر والحسنات, شهر التقى والفضل والصدقات. يا كريما يا كريما يا كريما يرجى لكل كريم وعظيما يحب كل عظيم يا إلهي وسيدي أنت جاهي واتجاهي إليك بالتسليم يا رب يا إلهي وسيدي أنت جاهي واتجاهي إليك بالتسليم. Quand on était enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux bénéfices immenses dans deux traditions authentiques. La première qui dit Man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et dans la deuxième Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire celui qui va jeûner le mois de Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense. C'est-à-dire qu'on doit ressentir ce jeûne, ressentir ce rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi compter sur la récompense divine, car il y a une récompense immense qui nous attend. Et c'est pour cela que le prophète a dit que chaque acte que fait le fils d'Allah, il est pour lui. Et on a même des textes qui nous montrent que tu fais tel acte, tu as autant de hasana, tu fais ceci, tu as autant de hasana. Tandis qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, dit pour le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibe. Sauf le jeûne, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui en donne la récompense. Personne ne pourra te dire t'as jeûné, eh bien, mashallah, t'as 500 hasanat ou 1000 autres. La récompense reste entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la deuxième tradition, man qama, c'est-à-dire celui qui va passer les nuits du mois de Ramadan, mashallah, et des fois on dit même, entre guillemets, les journées, mais on parle souvent des nuits, en prière, à vocation, rappel, évocation, tout cela, wallahi, avec foi et en comptant sur la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés. Le mois du Ramadan, il est tout le temps, il doit être tout le temps présent d'une certaine façon. Et moi, ce que je dis, c'est que le mois du Ramadan, c'est une école pour les 11 mois à venir. Donc quand on s'en approche comme on s'en approche maintenant, d'abord c'est par rapport à sa propre consommation, renouveler son intention d'une consommation qui a trois caractéristiques. Elle est mesurée, elle est saine et elle est solidaire. Donc de ce point de vue-là, il faut vraiment qu'on continue ce processus-là. Après, dans la pratique, dans la lecture du Coran, dans le sens que l'on donne aux choses, eh ben, il faut se préparer en sachant que ce mois qui vient à nous, c'est une bénédiction. Et donc, c'est une bénédiction, il faut accueillir la bénédiction comme un cadeau et puis faire en sorte que pendant ce mois, ce soit un mois de méditation et qu'on comprenne que c'est tout le mois, les jours comme les nuits. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est en train de culturaliser le mois du Ramadan en ayant les nuits du Ramadan et on s'oublie plus la nuit que l'on jeûne le jour. Et donc, là aussi, il faut comprendre que c'est tout un mois qui est un mois de bénédiction qui commence par la miséricorde et qui va se poursuivre par la patience et qui va se poursuivre aussi par le salut. Et donc, Inch'Allah, et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que
Il faut s'y engager avec son cœur, s'y engager avec sa conscience. Et je dirais simplement une chose, au moment où on va jeûner seul, avant le mois du Ramadan, commencer à renouer les liens de famille, commencer à ne pas oublier son père, à ne pas oublier sa mère, à ne pas oublier ses enfants, à ne pas oublier la grande famille. Il faut que ce soit une préparation de façon à ce que quand le Ramadan soit là et qu'il soit passé, on continue pour les 11 mois à venir. Donc, préparer le Ramadan, c'est autant se souvenir de celui qui est passé que de se préparer à celui qui va venir. J'espère et je souhaite pour l'ensemble des musulmans de France et des musulmans à travers le monde un très bon Ramadan. La patience, le Ramadan c'est l'école de la patience, c'est l'école du pardon, c'est l'école de la miséricorde, c'est l'école du partage, de la générosité, de la fraternité. Donc profitons de ce Ramadan. Et que Allah Azza wa Jal bénisse tout le monde. Et nous donne la récompense de ce jeûne. نسأل من الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام ويحشرنا في زمرة سيدنا محمد خير الأنام وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. Je vous souhaite à tous donc un excellent Ramadan en étant inshallah proche de Dieu, proche de vous-même et proche des gens. Le restaurant La Table Service souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans de France et du monde. Donc vraiment que les internautes et les donateurs, pour répondre à ta question, qu'ils fassent des du'as pour nous pendant Ramadan pour que nos actions elles soient sincères, qu'elles soient vouées exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et que inshallah les meilleurs fruits puissent en découler inshallah. À nous de montrer aussi la bonne image de l'islam avant, pendant et après le Ramadan. Hein, et plus on va faire ça, plus les gens connaîtront le réel visage de l'islam. Que Dieu nous accorde la miséricorde et qu'il accorde à l'ensemble de l'humanité. Car Mohammed n'a été envoyé que comme miséricorde pour tous les univers. Je vous recommande une seule chose. Dis-toi cette philosophie-là. Ici, cette année-là, c'est mon dernier mois de Ramadan que je jeûne. Donc mon frère et ma soeur, si tu veux te faire pardonner tous tes péchés, ce mois de Ramadan, tu vas le jeûner d'une façon particulière, comme Allah Azza wa Jalla il veut de nous, pour que ça soit une gomme de tous tes péchés. Un très bon Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréera et qu'il les couvrira dans la première dizaine de sa miséricorde, dans la seconde de son pardon et dans la troisième de l'éloignement définitif de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que votre jeûne, que votre prière soit acceptée durant ce mois de Ramadan. Et au plaisir de vous revoir. Allah yahfidhkoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As-sawmu fi Ramadan huwa rabi'ul arkan. As-sawmu fi Ramadan huwa rabi'ul arkan. Kay tathhara an-nufus bis-sawmi wal-Qur'an. في صومه فلاح في ليله صلاة في صومه فلاح في ليله صلاة هدية الفتاح فريضة الرحمن هدية الفتاح فريضة الرحمن الصوم في رمضان هو رابع الأركان الصوم في رمضان هو رابع الأركان كي تطهر النفوس بصوم والقرآن لله في خضوع نصوم في خشوع لله في خضوع نصوم في خشوع وريحه يضوع كالمسك والريحان إما نرى الهلال نصوم عن الحلال لله ذي الجلال المنعم الديان من صامه لله ورعى حدود الله من صامه لله ورعى حدود الله يهديه جل علاه لجنة الرضوان يهديه جل علاه لجنة الرضوان الصوم في رمضان هو رابع الأركان الصوم في رمضان هو رابع الأركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن بالصوم والقرآن
بالصوم والقرآن.